Donc alors, soit alors on injecte le service, donc c'est-à-dire au niveau global, donc au niveau applicatif, ça veut dire que ces services sont accessibles peu importe le composant, soit alors on crée des services qui sont dédiés à des composants bien précis. Et donc alors, ces services ne sont exploitables qu'à partir de ces composants. Et du coup, ils sont plus singleton, c'est-à-dire qu'on peut créer plusieurs instances de ce service. Nous, on utilisera la première approche. C'est le scénario le plus utilisé. Et alors, pour utiliser un service au niveau applicatif, c'est-à-dire au niveau de l'application, on doit enregistrer un service. Et on doit choisir un niveau d'enregistrement. C'est très important. Et donc alors, il faut savoir qu'il y a trois niveaux possibles pour cet enregistrement. Donc soit dans le service même, donc ici on enregistre un service pour l'utiliser. Donc on enregistre un service pour qu'il soit accessible partout de l'application. Et dans ce cas-là, on va utiliser la propriété provided in route. Donc alors ici, donc la seule instance va être utilisée par tous les composants. Donc alors simplement, vous ajoutez dans ce décorateur injectable, provided in route. Et là, votre service, voilà, est global. Munir, Donc il y a une alors, question. oui. Au niveau du service, par exemple, quand on crée un service, on n'a pas besoin de l'ajouter à l'app module, on est d'accord? Ou il faut l'ajouter? Ici, il faut l'ajouter. Il faut l'ajouter, ok. Mais ici, je vous montre un peu les différentes étapes d'implémentation. La première chose, c'est spécifier ce décorateur avec cette propriété, avec la valeur route. Deuxième chose, c'est au niveau du. Soit alors, ici, encore une fois, vous avez deux scénarios possibles. Donc, alors, soit enregistrer le service dans le composant, donc on utilise la propriété providers, ici. Soit au niveau du composant lui-même. Vous voyez, donc ça c'est un composant, donc Product List Components. Donc vous avez vu avec mon template URL, style, donc l'URL vers le style, vous avez le décorateur, mais là vous avez Providers. Et entre crochets, vous spécifiez la liste des services que vous utilisez, que vous allez utiliser dans votre classe. Donc soit alors vous faites cet enregistrement au niveau du app.module. Et alors là vous l'ajoutez dans Providers, chose que je vous ai expliquée hier, je vous ai rappelé ce matin. Product service. Voilà. Sinon, la troisième approche, c'est enregistrer le service dans un fichier service.ts. Troisième, ça c'est la première, pardon. Donc, alors, on enregistre le service dans le service lui-même, quoi. Donc, sur une seule instance. Donc par service à toutes les autres parties de votre application. Donc ici, comme vous voyez dans cet exemple, vous avez product.service.ts et alors dans injectable, vous avez provided in route et voilà. Donc alors ensuite, nous ce qu'on va faire, on va utiliser une interface. Donc alors pour ne pas travailler comme ça. Y avoir des objets comme ça qui sont de type any, on va créer un type. On va prévoir donc alors un type. Et ce type en fait va nous permettre donc alors de typer un peu les données. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc pour faire ça, bon, ça c'est l'interface qu'on va devoir utiliser. Hein, donc c'est Export Interface et puis on met le nom de l'interface. Et pour cette histoire d'injection dépendance, donc tout ce que vous avez à faire, c'est importer le service et ensuite le passer en tant que paramètre à votre constructeur. Démonstration. Je vous explique tout ça lors de la démonstration, c'est plus simple. Donc pour l'injection dépendance, je vais aller
ici dans Product List Components. Voici les transformations que vous devez faire pour bien séparer les couches. Donc alors ici, je vais ajouter quoi? Une instance de Product Service, donc Private. Product Service. Product Service, c'est la classe que vous avez ici. Parce que je ne l'ai pas encore importé, c'est pour ça que le lien ne fonctionne pas. Et alors, ah non, c'est comme ça, le nom de l'objet et puis le type. Point virgule. Et là, il va me dire, bah, tu dois l'importer ce service. Quick fix, imports, vous voyez. Et alors, quand je clique sur imports, il va m'ajouter cette ligne de code. Donc, je commence par l'importation, ensuite la déclaration, et puis l'injection de dépendance. Donc, alors, pour cette histoire d'injection de dépendance, donc, alors, ici, j'ai déclaré, donc, alors, mon objet, et je vais l'instancier. Ou le passant en tant que paramètre à mon constructeur. Donc alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça. Voilà. Donc alors, voilà. Excusez-moi, une seconde. Allô? Salam alaikum, c'est Altef. Ça va, frère, ouais. Oui. D'accord. D'accord. Voir, oui. C'est. Ouais. Je ne sais pas si vous avez ou là. D'accord. Voir, je vais vous dire oralement, parce que là, d'abord, on a une formation en ligne. On a un casse-mère. Je vais vous montrer les connaissances qui sont sur l'écran d'Yali. On a un casse-mère. D'accord, on va te le voir maintenant, ouais, Zil, ouais. Il est reparti. On attend toujours après ta réponse. Exactement. De quoi? Bah, il t'a posé une question, là. Ah bon? Plaisante. Ouais. Bon. Bon, ben voilà. J'ai même pas vu, on est juste. Déjà. Vas-y, demain. J'ai pas vu qu'on était juste, je croyais qu'on était mercredi. Ah non. Moi, je dirais seulement. Ah, il reste une semaine, un jour. Ça me paraît chaud quand même. Hein, pour terminer. Terminé. À ce rythme-là, ça va aller. Hein. Ouais, ça va aller vite. Ben, normalement, on avait déjà fait la partie front. Maintenant, la seule chose qui, à mon avis, ça va être un petit peu compliqué, c'est le service. Il y en a qui suivent impeccable ou c'est toujours c'est un peu dur pour tout le monde?
Bah, c'est parce qu'on s'en prend, on se prend plein d'infos dans le visage d'un coup, quoi. Ouais, c'est clair pour toi, Denis. Bah, en fait, là, c'est la... En fait, ce qu'on fait, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait en Java, en fait. C'est la même philosophie, quoi. Genre, avec le service, je pense, on va récupérer les DTO, tu vois, et puis ça va être parti, quoi. C'est juste que la syntaxe et bien faire communiquer tous tes composants ensemble, c'est là où c'est chaud, quoi. Ouais. Et t'arrives à naviguer entre les components facilement, ça va? Ça c'est en cours, on va dire. Ouais. C'est super simple, hein. C'est finger in the nose, hein, normalement. Que je t'importe et que je te rajoute un truc là-bas, c'est pas intuitif. Hein. Il faut dire que c'est la même chose que quand tu fais des imports en Java, quoi. Ouais, mais tes imports, il y a les imports qui sont automatiques, puis après t'as les trucs que tu dois les rajouter à la main. Si tu oublies. Là, il est automatique l'import ici. Là, celui-là, oui, mais bon, quand tu vas rajouter des choses dans le app module, c'est pas en automatique, si. Genre les providers et tout, ça, non, ça, je crois que tu dois le faire toi-même. Ouais, donc si tu n'y penses pas, le truc il marche pas. Ah bah si tu n'y penses pas, le truc il explose, ouais. Ouais, puis après, avec le nombre de pages qu'on a, pour retrouver, attends, j'ai oublié quoi, où. Mais après, avec la commande ng-generate, il y a des trucs qui fait tout seul quand même dans les fichiers TS et tout. À mon avis, ça va être un petit peu la galère quand on met tous les composants, qu'on doit créer tous les composants de l'application. C'est là où la navigation, ça va être un petit peu compliqué. Ça va être bien, c'est quand on aura chacun fait notre partie, qu'on mettra tout en commun et que tout explosera. Ouais. Il y a des routes URL aussi, on n'a pas tout chose URL pour sur Angular là. Oui, vous l'avez remarqué, hein, donc je suis un peu perturbé aujourd'hui. Donc je ça fait en fait, donc c'est encore une fois, donc mon père est là, des graves problèmes de santé, mais je suis toujours là et on va continuer. Il se peut que de temps en temps j'aurai des petits coups de fil comme ça, hein, ça va? Je sais pas si t'as vu mon message, mais Urbain, il veut te parler vers 12h30. Hein. Le quoi, Urbain? Oui, il est venu ce matin, il a dit j'aimerais parler à Mounir vers 12h30. 12h30, ça va, merci pour l'information. Merci pour l'information, d'accord. Ok, donc alors, 12h22, 12h30. Ok. On continue. Yep. Oui, voilà. Donc alors, on a importé le service. Donc on va l'ajouter. Et alors, donc un autre constructeur. Bam. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc alors affecter donc cette variable product service à celle-là. Donc product service est égal à product service point virgule. Alt Shift F, je sauvegarde. Donc les multiples, le constructeur implémentation, un autre load. Le constructeur apparemment existe plusieurs. Donc ici on va virer. Donc alors ça, sauvegarder. Voilà. Donc alors, soit vous faites comme ça, soit c'est ce qu'il ne faut pas faire ici. Hein. Donc ce que je vous ai montré simplement, c'est vous rapprocher de ce que vous faites d'habitude. Vous déclarez la propriété, vous l'initialisez au niveau du constructeur. Maintenant avec l'injection de dépendance, vous pouvez donc alors utiliser un cycle syntaxique. Et c'est quoi ce cycle syntaxique? Vous mettez simplement un private ici. Chose que vous ne faites pas au Java, jamais vous avez vu un private ici dans un constructeur. Un private ici, vous supprimez ces deux lignes de code, celui-là et celui-là. Ça revient au même. Tu peux montrer ce que ça donne avec les deux lignes de code, s'il te plaît? Donc alors, à la place de faire comme ça, vous mettez private ici
D'accord? Et vous supprimez ces deux lignes de code, c'est-à-dire la propriété que vous avez déclarée ici et l'affectation que vous avez faite là. Et ça revient là. OK. Ça va, retenir bien. Absolument, il faut mettre private, on peut mettre public aussi. Le quoi? Absolument, il faut mettre private. À ce moment-là, qu'on injecte le service au constructeur, on peut les mettre public aussi. Non, vous mettez private. OK. Donc, vous mettez private. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, et aussi, oui, donc l'interface. Je vous ai dit que, ici, maintenant, on va faire les choses proprement. Donc, cette liste, en fait, d'objets qui est de type any, on va d'abord commencer par la création d'une interface. Donc, alors, je vais à la racine. Donc, alors, de mon composant, new file, et je vais l'appeler products. Je vais l'appeler products.ts. Et ici, je vais créer une interface. Donc, j'ai déjà le code de cette interface, c'est celui-là. Et alors, voilà. Donc, j'ai mon interface ici. Voici la syntaxe d'une interface. Export pour dire public. Interface. E-product. Voilà. E-product. Donc, ça, c'est donc la première étape. La deuxième étape, c'est que de mon service, vu que mon service, en fait, doit me fournir la liste des produits, je vais créer une méthode. Donc, une méthode que j'appellerai getProducts. GetProducts. Et je vais avoir comme type de retour une liste de produits de type interface. Product. Ensuite, je vais déclarer la liste de mes produits ici, tout simplement. Et alors, je vais retourner quoi? Return. Donc la liste de mes produits. Et hop, je sauvegarde. Je vais aller copier ça. Donc à partir du composant, parce que le composant ne doit pas contenir des données. On est bien d'accord, ça c'était juste un POC. C'était juste un mock, pardon. On appelle ça un mock. Simuler une base de données derrière. Maintenant, je vais le retirer complètement et je vais coller ça ici dans mon service. Je sauvegarde. Et ça donne ça. D'accord? Donc, alors, getProducts, en fait, c'est la méthode qui va me retourner la liste de mes produits, que ce soit 1 ou 5 millions, peu importe pour moi. J'appelle cette méthode et c'est tout ce que j'ai à faire. Maintenant, je vais adapter mon service, donc le service ouais. Donc je vais adapter mon composant parce qu'en fait ici je viens de programmer ma méthode. Bah, maintenant je vais appeler cette méthode à partir de productListComponent, car je n'ai plus ce product que j'ai ici, je ne l'ai plus en fait ici. Donc alors, je vais alimenter ma liste de produits. Donc alors, à partir du service. Donc alors, vu que j'ai créé déjà un type, donc je vais alors effacer tout ça. Je crée une variable product, mais cette fois-ci avec le bon type. Et product. Voilà. Product maintenant est une liste de produits de type e-product. Okay. Et donc alors ce e-product, donc ici j'ai fait mon injection dépendant, donc mon service est accessible à partir de ce composant. Deuxième chose. Ensuite, je vais
utiliser la méthode ingeoInit. Donc cette méthode, c'est une méthode qui fait partie du framework. Elle est appelée automatiquement quand on charge le service. Cette méthode est appelée automatiquement, c'est comme le constructeur. Et alors c'est à l'intérieur de cette méthode que je vais initialiser ma liste de produits en allant appelant la méthode getProducts à partir de mon service. Donc alors, this.products est égal à this.productService.getProducts. Voilà. Point virgule. Ça va? Vous voyez maintenant que le code de mon composant est propre, clean, court. Pourquoi? Parce qu'on adopte le principe de separation principle, le principe de séparation de rôle. Donc ce n'est pas au rôle du composant, en fait, product list ici, de traiter et gérer les données. Lui, il appelle un service. Et donc alors, c'est le service qui s'en charge. D'accord. Donc alors, je vais voir ce qu'on... Donc ici, voici mon injection de dépendance. Donc alors, pas ce code, utilisez celui-là. OK. Tac. Ensuite, je déclare mon service. Et donc, mon ingeoInit, j'appelle la méthode getProducts. Et ça doit donner un truc comme celui-là. Donc alors, si je lance mon application, oui, donc alors elle est en train de bider. En attendant, juste un dernier slide, vous expliquer le TP et ensuite je vous laisse faire le TP. Donc alors, voilà, je consulte ma page et ça continue à marcher. D'accord? Et cette fois-ci avec un code plus robuste qui respecte l'architecture Angular. Et qui est très bien fait. Maintenant, ça marche pas, moi, mon filtre. J'aimerais le faire fonctionner. En fait, c'est simple. Vous allez sur Product List Components. Souvenez-vous que nous, on a implémenté dans Product List Components de la partie HTML. Product List Components, on a implémenté donc alors List Filter, celle-là. Qu'on utilisait ici. Et alors listFilter, ce n'est qu'une variable en fait qu'on a déclarée à ce niveau-là. C'est celle-là. Et cette variable, on va créer un getter et un setter. Voilà, comme ça vous avez un exemple. Donc alors sur les getters et les setters. Donc alors, je vais renommer ma variable, c'est je pense AltRR. Non. AltShiftR. Non. AltShift. Ctrl AltR. Bon, ce n'est pas grave. Je vais simplement ajouter un underscore juste avant pour dire que c'est une variable privée. Encore, c'est juste une convention de nommage. Donc ensuite, je crée mes getters et mes setters. Encore une fois, il y a bien un développeur quelque part dans le monde qui a donné la possibilité de générer ces getters et ces setters.
si ce n'est pas le cas, ce serait un parmi vous qui va développer une extension code Visual Code, la mettre à disposition à d'autres développeurs. Donc get list filter. Moi perso, je la vends, hein. Elle n'est pas gratuite. Hein. Attends un petit peu, Sébastien. Tu peux pas faire ça. Donc il y a toujours. Moi, gratuits, c'est une licence à l'année. Hein. C'est une licence à l'année, attention. Donc le gratuit, c'est la tendance de maintenant. J'ai une landing page ici pour vendre mes formations. Donc en dehors du cadre de Pôle emploi et tout. Sur ma page, tu trouveras nulle part vendre. Tu vois, regarde. Gratuit. Ah ben, si c'est gratuit, il y a des pop-up tous les jours avec mon PayPal. Hein. Non. Donc alors, tu vends un coaching gratuit. Hein, et pendant ton coaching, une fois que tu as décroché un coaching avec un prospect, et que c'est lui, en fait, qui va te solliciter, pendant ton coaching gratuit, tu as 15 minutes pour le convaincre à passer à l'action. Soit tu le montes dans ton bateau, soit tu le laisses noyer. D'accord ? J'ai 15 minutes pour le convaincre, tu vois, ici. Mais jamais, bien sûr, il n'y a rien n'est gratuit, on est d'accord. Ne commence pas par le « je vends, je vais vous vendre, promotion, machin, tout ça », ça c'est du passé, ça. Je suis là pour te conseiller gratuitement. Zéro engagement, tu ne payes rien. Tu te donnes l'occasion et la chance de convaincre la personne, en fait, à souscrire à ton service, tu vois. Voilà, pour ceux qui vont se lancer pour leur propre compte, voilà, c'était juste cette petite parenthèse que je partage avec vous. Donc alors, je reviens pour ne pas perdre tout le monde. Get list filter. Donc 2.string. Ensuite, tac. Return. This.listfilter. Return. This. Point listfilter point virgule. Donc ça c'est le get. Ensuite je vais programmer le set. Donc alors le set filter, en fait c'est quoi? C'est un setter, hein, donc comme en Java. Et en Java bon, on fait ça, voyez, souvenez-vous, hein. On récupère une valeur ici, on va l'affecter à listFilter. D'accord ? Et maintenant, moi, mon setFilter ici, à chaque fois que je tape une valeur, je vais devoir filtrer sur la liste de mes produits. D'accord ? Donc alors, ici, la liste que vous voyez là, elle doit être dynamique, cette liste. Et alors, pour qu'elle soit dynamique, je vais devoir l'initialiser à chaque fois que je vais taper quelque chose ici. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais d'abord commencer par déclarer une nouvelle liste que j'appellerai filtered products. On va faire simple. Donc filtered products. Produit, products. Je suis où là? Je suis dans product list. Ouais. Products. Bah oui, c'est normal, je me suis trompé en fait ici. Donc, du coup, je vais remonter cette ligne de code ici. Filtered. Donc, alors, filtered products. Ensuite, donc, alors, ensuite, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais le set ici. Vous voyez le set ici? Donc, alors, j'ai le get et j'ai le set. Ce set est appelé à chaque fois que je vais taper une valeur, par exemple. Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais d'abord
dans ma liste de produits. Donc souvenez-vous que en fait ici, dans la partie HTML, on avait bouclé sur quoi? Sur products. Donc seconde. Donc ici, on avait bouclé sur products. Je vais descendre. On avait bouclé sur quoi? Sur products. Ici, tac, 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 products. Donc maintenant, on va boucler sur quoi? Sur filtered products. Donc pourquoi? Parce que filtered products, c'est une liste de produits qui prend en compte le caractère saisi à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, on va manipuler le filtre de produits. À chaque fois que je vais taper un caractère ici, j'aimerais mettre à jour cette liste, c'est-à-dire mettre à jour les produits qui vont être retournés dans cette liste. Donc, alors, c'est dans le set que je vais devoir implémenter cette logique. Et alors, dans le set, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement vérifier si list filter contient quelque chose. Eh bien, ben, je vais affecter donc la nouvelle version de la liste ici. Donc alors, je vais taper this.filtredProducts. FilteredProducts. Et FilteredProducts est égal à quoi? Soit alors, ici je vais utiliser l'opérateur ternaire. Donc this.listFilter. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une valeur ici, ou bien la valeur a changé, donc je vais donc je vais retourner la liste. Je vais retourner la liste des produits. Donc alors, je vais taper this. Donc alors point products. Taper ça, je vais faire comme ça. Ok, donc alors regardez ce que j'ai tapé ici. Hop, j'ai tapé un peu à peu près la même chose. Je vous explique en fait ici. Donc en fait, je pars du simple compliqué en fait ici simplement. Donc alors, quand je change la valeur de list filter, donc je vais aller chercher la liste des produits. Je pars de this.products, je vais effectuer un filtre sur cette liste. Ensuite, je vais l'affecter à filtredProducts. Donc, soit alors listFilter contient donc une valeur, je vais filtrer productList, soit il ne contient rien, bah, automatiquement je retourne la liste de tous les produits. Ok, donc alors this.products va subir un traitement quand listFilter contient une valeur. Donc, à la place de faire ça, okay, j'ai une vision globale en fait de ma logique, de mon algorithme. Par contre, ici, maintenant, je dois appliquer un traitement en se basant sur listFilter. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une fonction que j'appellerai performFilter. FormFilter. Une fonction que je n'ai pas encore implémentée. Et dans ce performFilter, je vais faire this. Je vais passer quoi? Donc, je vais passer alors listFilter. Donc, cette méthode n'est pas encore créée, je vais la créer. Mais je sais ce que je dois faire en fait dans cette méthode. Vous voyez comment je programme? Donc, je pars d'un besoin général et puis je vais dans le spécifique. Donc, déclarer la méthode performFilter. Voilà. Il va me créer. Donc, alors performFilter, il est où? Il m'a créé, vous voyez ici, la squelette de ma méthode. Donc, performFilter, ici, je vais la déplacer. Ici, je programme ma méthode ici. Vous voyez, en fait, lui, par introspection, il sait que performFilter doit retourner une liste de produits de type eProducts. Pourquoi? Parce que le type ici, c'est eProducts. C'est pour ça qu'il m'a fait ça. Et il doit recevoir une chaîne de caractères listFilter. Parce quoi? Parce que j'ai passé les filtres ici. Et c'est ici que je vais faire mon filtrage. D'accord? Donc alors, mon filtrage ici, simplement, je vais convertir
Parce que l'utilisateur, il peut à un moment donné taper, par exemple, carte, C en majuscule, et le filtrage ne fonctionnera pas. Donc, moi, dans mon code, je vais faire de la programmation défensive. Donc, alors, oui, utilisateur, tu tapes ce que tu veux. Moi, je vais tout convertir en lowercase. OK, c'est pas compliqué. Je vais simplement écraser le contenu de listFilter par alors une méthode. Et donc, alors, cette méthode, je vais utiliser le... donc, je vais utiliser donc sur listFilter. Donc, listFilter. Je vais utiliser la fonction parce que c'est un string, celui-là. Et alors, un type string, vous avez des fonctions... Fonctionnalité utilitaire, entre autres, tout local lowercase. Tout local lowercase. Et je vais passer quoi? Au crible, cette chaîne de caractères, je vais la convertir en minuscule. Et après, ben voilà. Ici, j'ai la certitude que tout est converti en minuscule. Et voilà. Ensuite, je vais return. Return quoi? Return. Et this point product point filter. Donc je vais filtrer sur donc la liste des produits. Là, vous avez une liste de produits ici, c'est celle-là. Perform. Donc alors, soit retourner la liste en entier, soit alors passer cette liste dans cette méthode. Donc la traiter dans cette méthode. Et alors, je vais faire quoi? This.product.filter. Ça, c'est une méthode built-in d'Angular. Et cette méthode filter, on va utiliser l'expression donc lambda, donc les fonctions, les euro fonctions là que je vous ai dit. Simplement dans filter, je vais alors taper une ligne de code ici, je vous expliquerai après. Donc alors, tac, filter, hop. Donc ici. Donc alors, perform filter. Son objectif, c'est alors filtrer la liste des produits, c'est-à-dire cette liste, en allant vérifier alors les noms des produits, en allant vérifier ces champs et voir si ils contiennent le mot-clé de recherche ici. Donc alors, ici dans cette liste, pour chaque élément de cette liste, c'est l'équivalent du stream que je vous ai montré en Java. Le stream collector, vous voyez là, donc pipe, filter, c'est la même chose ici, on a programmé la même chose ici, donc filter. Alors, pour chaque élément de cette liste, tu vas appliquer un filtre, et alors, chaque élément, il faut qu'il soit du type product, et sur product, j'aimerais que tu ailles vérifier dans la propriété product name, après l'avoir converti en local, en lowercase. Pourquoi? Parce que le filtre, on l'a converti en lowercase. Alors, les product name, tu les convertis en lowercase. Et alors, tu vas comparer. Est-ce que listFilter est une sous-chaîne de product name? D'accord? Si oui, tu sélectionnes cet élément dans le return. Si le retour de index of est différent de 1, c'est que la sous-chaîne existe en fait. Si listFilter existe en tant que sous-chaîne de productName, c'est comme ça que le filtre va se faire. Voilà, c'est comme ça que le filtrage va se faire. Voilà. Et donc alors, ici, donc, on n'a aucun produit, tout simplement parce que nous, à la place de boucler sur products, on boucle sur products, sur filtered products. Et filtered products, on l'a initialisé nulle part. Le filtered products est vide.
Nous, ce qu'on récupère de la base de données, c'est quoi? Si on va sur ng-onInit, on va récupérer la liste des produits, on va les affecter à product, pas filtre de product. Donc, pour résoudre ce problème, on va initialiser filtre de product aussi. Et on va simplement affecter ce qu'on a récupéré ici à filtre de product. Et en sauvegardant, vous allez voir que ça résout le problème. Je pense qu'il y a un problème. Reflex développeur. Donc ici, pas de souci à ce niveau-là. Donc j'appelle mon service. Je vais dans source. Je vais faire une recherche sur quoi? Product service. Get products, je mets un breakpoint ici, je rafraîchis la page. Ben, il s'arrête à get products. Ensuite, le get products est appelé dans product list components. Je cherche product list components. Je vais dans le ng-onInit. Je déroule. Il s'arrête ici. Est-ce que le product contient les deux produits? Oui. Et le filtre product, quand j'effectue une affectation comme celle-là, eh bien j'appelle le set. Je set pour filtre de product. Je vais alors dans mon setter filtre de product. Donc set. Ah non. Filtre de product, donc c'est ici. Ça c'est list filter. Filtre de product est là. C'est la ligne 25. C'est product list component. Je vais à la ligne 25. Donc filtre de product. Voilà, il contient les deux produits. Je pense que peut-être je me suis trompé dans le nom. Possible. Donc alors, je l'appelais quoi? Donc filtre de product. Ici, je l'appelais comment? Filtre. Ah oui. Vous voyez là? Il y a un problème ici. Oui, ici, j'avais tapé filtre de product. Or, c'est filtre de product. C'est ça le problème. Vous voyez votre meilleur ami, c'est le débugger. Bah, allez-y pour trouver si vous avez ici ou pas. Hein? Je pense que vous voyez avec moi le. Donc je vire tous les breakpoints. Je ferme mon éditeur. Hop. Je rafraîchis ma page. Je retire le card. Et voici la liste qui réapparaît. Si je tape. Vous voyez, là ça marche. Si je tape ham, là ça marche. M-E-R, ça marche. Voilà. Vous voyez tous. Donc alors, ici, donc cette implémentation. Donc alors cette implémentation, donc un tout petit résumé vite fait. Donc alors ici dans ma table, je vais afficher une liste de produits. Cette liste de produits doit être filtrée à chaque fois qu'on change de valeur
de ce filter list filter, ce list filter. Hein. Quand je tape, en fait, donc je change de valeur ici, donc list filter. Ensuite, list filter va filtrer sur filtre de liste. Et si je vais ici, vous allez voir que j'ai déclaré une valeur list filter. Donc ce list filter, vous avez ici le getter et le setter. Le setter, c'est quand je tape quelque chose ici, ben voilà, je set, donc j'appelle. C'est quoi? J'appelle cette logique tout simplement, set list filter. Et set list filter, qu'est-ce qu'il va faire lui? Set list filter, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va simplement initialiser la valeur list filter. Et en plus de ça, on va filtrer sur filtered product qu'on a associé à notre tableau HTML. Et alors ici, soit list filter contient une valeur, ne contient aucune valeur, dans ce cas-là, avec l'opérateur ternaire, je retourne la liste des produits. Vous voyez l'opérateur ternaire, c'est juste un if et un else ici, hein, ça va? Ça, c'est la condition. Si c'est vrai, vous voyez le point d'interrogation, ben, j'exécute cette logique. Si ce n'est pas vrai, j'exécute cela. Mounir, c'est quoi le cart? C'est ART à la ligne 16? Oui, c'est juste un exemple, hein. Je peux le virer. Hein. C'est juste une valeur que j'initialise, juste pour initialiser le listFilter. Je peux l'enlever. Donc, soit alors listFilter contient une valeur, ben j'appelle la méthode pour faire performFilter. PerformFilter, même sans regarder son implémentation, son objectif, c'est simplement filtrer la liste products ici, en se basant sur la valeur saisie dans listFilter et en l'appliquant sur productName. Et on fait un petit nettoyage de lowercase, et on compare. Si la sous-chaîne listFilter est une sous-chaîne de productName, ben on sélectionne le produit et on l'affiche dans la liste. Ça va? Vous voyez un petit peu la logique? Denis, ça va? Tu vois un peu la logique d'implémentation? Bah, la logique, ouais, c'est toujours un peu pareil au final, mais faut écrire, quoi. Parce que la syntaxe et aller d'un fichier à l'autre, c'est pas forcément évident, quoi. Bah, ce n'est pas évident, bah oui, donc c'est la pratique, hein. Donc c'est la même remarque qui se répète tout le temps. Et, Mounir, donc, quand tu écris dans le filter by, dans le champ vide, là, oui. Tu écris dans le code, alors? Le quoi, tu dis? T'écris dans le code, si t'écris CART, ça va se retrouver dans le code. Donc alors quand je saisis... To est binding, là, c'est pas ça? Donc si je tape en fait une valeur ici, eh bien le AR qui est tapé ici... Ouais, on le retrouve dans le code? Non. Il va être stocké où? Ici, tu vois, regarde. J'alimente cette variable, listFilter. Mm-hmm. Et vu que je tape ici, je suis en train d'affecter une valeur à cette variable. Donc le fait de taper quoi que ce soit ici, hein, ouais, ça n'apparaît pas dans le code. Va automatiquement déclencher quoi? Impossible qu'il apparaisse dans le code, en fait. Donc quand tu tapes une valeur ici, ça va automatiquement appeler cette logique. D'accord, donc c'est invisible. Ce n'est pas que c'est invisible. Je croyais que le CART, en fait, il était apparu parce que tu avais écrit quelque chose dans le template. Tu ne tapes pas dans le code, non. Et donc, alors, ça va être affecté. Alors, ce que tu as saisi, en fait, il va être intercepté par la variable of value. Il va être affecté à listFilter. Et en même temps, tu vas appeler la méthode performFilter. Et performFilter, il va filtrer les éléments que tu as dans ta liste de produits. Ouais, donc je vais la mettre en minuscule et ensuite index of. Donc alors, tu vas la mettre en minuscule, tu vas filtrer sur les noms des produits. Ouais. Le index of, c'est pour regarder ce qu'il y a dans le tableau. Index of. Donc index of, c'est pour vérifier. Donc alors, ce que tu as saisi, là, le AR, ici, est-ce que c'est une sous-chaîne du nom du produit courant? Parce que là, on va boucler sur tous les produits. Tu vois? C'est-à-dire tous les produits. Si listFilter est une sous-chaîne de product name, tu sélectionnes le produit. Et alors, tu vas mettre à jour. Si tu avais tapé AR en majuscule, il serait déjà passé par la méthode
tout le lowercase pour le transformer en AR minuscule et après regarder par rapport au, c'est ça. Au nom. Le AR, il va passer par le crible to local lowercase, qui sera en minuscule ici. Ouais. Et après, on va vérifier si elle existe en fait avec index of. Index si of, c'est un peu la documentation. Sur Internet, tu vois, tu vas voir que sa définition, elle est là. C'est ça sa définition. Simplement, on l'a appelé. Il fait partie de JavaScript en fait, tu vois. C'est une méthode qui existe. Je regarde comment il fonctionne. Et je l'implémente ici, tu vois. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait en fait? Il va simplement filtrer, voilà, il va simplement filtrer la liste des produits. Products. On va retourner products. Et ce qui va être retourné à partir de cet appel sera affecté à filtrer products. Tu vois? Ouais. Et ce qui va être affecté à filtrer products, c'est ce qu'on utilise ici. Tu vois? Ouais. D'où ce filtrage dynamique. Voilà, je t'explique ici, là, ça va? Là? Pas besoin de prendre des notes avec moi. Donc ici, tout est expliqué ici, avec les steps d'implémentation. Et voici ce que vous devez faire. Ajouter un service qui va contenir les documents, les données des tuteurs. Donc votre mission, c'est de créer un service nommé tuteur et faire l'enregistrement et l'injection de ce service dans le composant que vous avez déjà créé. Donc vous implémentez exactement la même chose, ça va pour les tuteurs. Ça va, il faut que tout le monde fasse cette implémentation. Donc le client va vérifier. On va vérifier auprès de tout le monde que tout le monde a réussi à le faire.